Eh ouais, nouveau vlog, et on va où, Pascal? On va cheat mille. C'est un nouveau mot, tu le conjugues, cheat mille. Il y a R à la fin. Dimanche soir, j'espère que vous avez vu le vlog. Hier, enfin le samedi, on a été... Non, c'était samedi ou vendredi? On a été manger vendredi, voilà, on a vendredi, été manger et je vous ai filmé les desserts qui étaient énervés. Donc là, on s'est dit, tu sais quoi, on va retourner là-bas dimanche soir, c'est cheat meal. Grave. Et là, on va se casser le beat burger. Et sale. Un burger sale. Juste pour ces trois desserts. Ouais, 3-4 desserts, un truc comme ça. Allez, c'est parti, on filme tout ça. Obligé de se faxer pour sortir la voiture. Nique pas ma portière. Faxe-toi. C'est le beat, il passe pas. Ah, il est passé mon beat, t'as vu, j'ai maigri. Eh ouais, deux semaines déjà maigri. Les burgers. Il est content. Ah mais heureux. Tu vois là je pleure là un peu. Tu es à moi. C'est parti, donc j'ai dit burger, un chacun, trois desserts, c'est normal, ça va par trois les desserts, le dimanche soir. T'es contente? Ouais, ouais, je suis... L'excitation. Ouais, grave. Et on va vite manger, parce que là, ça va sortir à Dest d'ici 20 minutes, c'est 7h-20 et ça va sortir dimanche soir. Voilà, lancement, je suis comme un dingue. Vous pouvez voir ma sélection, la sélection d'Alex, toutes les sapes, chaussures, tout ça. Voilà, il y a tout, c'est lourd. Bon, c'était bien bon. Bon, Pascal est en train de bosser parce que là, il squatte mon ordi. Je peux même pas faire la sortie d'Adès parce que monsieur met sa vidéo. J'espère que vous avez checké ça. Et là, bref, quand il y en avait pas assez vraiment, donc Nutella, beurre de cacahuète, pain de mie, histoire de se dégoûter vraiment et pouvoir repartir propre demain. Lundi matin, 7h, oui, je m'en pas, il fait vraiment nuit, j'ai pas dormi beaucoup. Hier, c'était le lancement d'Adès, ça s'est super bien passé, on a eu plein de retours de votre part, de félicitations, tout ça pour le site. Donc, un grand merci, bien sûr, c'est que le début, il y a la collection femme qui arrive et tout, donc il y aura plein de nouveaux produits. Vous inquiétez pas, j'ai attaché la caméra, je peux conduire. Et donc là, pourquoi 7h direct, déjà, je pars? Parce que je dois amener la caméra au réalisateur. Nouveau projet qui démarre aussi aujourd'hui, c'est le programme Homme, l'équivalent de Beauty Time, mais pour les hommes. Donc ça va être lourd, nouvelle semaine, nouveau projet. Super excité de se réveiller. Même si on dort que quelques heures, ça suffit. Et ce que je voulais vous dire d'ailleurs, c'est que nous avec Alex, on a la chance de pas avoir ce problème du lundi matin. Tout le temps on voit sur les réseaux sociaux, merde c'est lundi, putain nouvelle semaine, tout ça. Nous on le vit pas comme ça parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît. Et c'est simple, faites quelque chose qui vous plaît, vous aurez l'impression de plus jamais vraiment aller au travail. Et c'est parti, échauffement à la presse. Pascal il a grave envie. Putain, j'avoue, ça va être super dur. Et je lis pareil les jambes, les fessiers. My name is Devon Terrell. I am the living weirdo. I'm gonna sing you a song today. I really hope you like it. I can see you hating, but I can't change. No. And they talking all crazy, but they never say it to your face. No. Yeah, shit, mind your business. Yeah, just looking like bulls running and charging. I'm seeing red and I'm about to snap like I'm Dennis Rodman. Gucci and all you haters is targets. I feel like I'm next up and nobody in here messing with us. I'm up on the roof and you still waiting on the elevator. And when you get here, I feel like we gon' build another level. I'm making trainer with a macapella, cause I am the base of the trouble. I am the good to the devil and I know I'm eating good. And you at McDonald's looking for specials. I feel like I got it, so why would I stop it? Let me ask you a question. Is it too late to say I'm sorry? Yeah, cause I feel like no one can stop me. Bon là je suis pas très très bien. J'ai cassé la caméra de PJ. Donc j'ai cassé l'écran en fait. Donc je peux toujours me filmer avec comme je le fais, mais là je me vois en petit carreau. Je suis vachement embêté. Faites vos dons, Body Time, pour qu'on rachète un écran. Et lui il se marre. Et moi je suis pas bien. Voilà. Aujourd'hui au bureau, c'est la course Laura ou pas? C'était Hadès, on vient juste de récupérer tous les colis, il y avait plein de colis là. C'est la folie. Bon, Body Time, il reste pas grand chose. Et là, le peu qui reste d'Hadès, que vous avez pas encore dévalisé. Bon, journée au bureau terminée pour nous. Et Laura, elle veut pas partir tant qu'elle a pas envoyé toutes les commandes à Hadès. Si elle est pas gentille, elle est déterre pour vous regarder un petit carton. Bon, plus qu'à mettre l'adresse. Et c'est parti. 7h30 mardi matin, nouvelle journée, c'est parti. Petit déjeuner avec bien sûr donc la prof, le flocon d'avoine, les d'amande, une banane Pink Lady et ça va être montage du vlog 4. Parce que pourquoi? Je devais le monter hier soir
Mais je me suis un peu endormi devant. Non pas que c'était pas intéressant, hein, c'est juste que j'étais vraiment trop éclaté. Donc là voilà, je monte ça vite fait. Plein d'énergie, plein d'envie. Et après direct sur la salle. Bon, comme d'hab, à la bourre, c'est parti pour l'entraînement. Shaker, 30 grammes de whey, j'ai pris spéculoos. La gourde skills avec créatine et amino. Et c'est parti à la salle, deuxième entraînement. Bon, arrivé à la salle, t-shirt uncut, et que vois-je? Copieur. Comment t'appelles? Nicolas. On va dédicacer ça à toi, gros. Merci. Courage. Pour nous, c'est parti avec les pecs d'abord écartés et Jacques, les fentes. Si tu souris, c'est que c'est facile. Montre, montre la tête, déterre. Quoi? Non, non, je suis chauffé. Hey yo! Ça fait bien de s'entraîner avec le bonnet, je trouve. Ça fait vénère, ça fait vrai, tu vois. Dites ce que vous en pensez en commentaire. C'est vraiment un con, c'est super drôle de s'entraîner avec. Si ça fait énerver ou pas. Allez! No Juliet, no Romeo, no Dove. She report the pimpin', now back to trickin'. She report the pimpin', nigga back to trickin'. Hey ho! Bon, au resto, j'ai faim et je suis avec les mecs les plus lents pour commander. Alors, je commande, Pascal, il met déjà 5 minutes. Et Jacopo, il a mis 10 minutes et au final, il a pris exactement la même chose que Pascal. Putain. L'entrée, donc, lentilles, salade, œuf poché. Pascal, beau gosse pareil. Et la même chose pour Jacques, mais un petit peu de lard. Fais-nous bien, ah. T'en manques d'énergie. Oui. Bien faire travailler l'estomac. Tartare pour moi. Et bah non. Bon voilà, le reste est arrivé aussi. Donc moi j'ai préparé le tartare des haricots. Et pour Pascal, rhum steak, haricots, riz. Et je vous l'avais dit, Jacopo il a pris la même chose. Voilà. Mais il a juste mis 5 minutes de plus pour le dire. Voilà, j'ai terminé le vlog 4. Je suis en train de l'uploader là, le mettre sur YouTube pour vous le mettre ce soir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous aimez, notamment au niveau des entraînements. J'essaie de varier, Alex aussi. Il a fait un truc que moi j'ai trouvé très stylé sur ses entraînements. Donc voilà, est-ce que vous voulez plus un peu motivation? De temps en temps, moi je parlais un peu, donner quelques conseils. Voilà, plus voir un peu les délires pendant l'entraînement. Parce que même si on fait du sale pendant les séries, bien sûr qu'en dehors, on rigole ça, notamment avec Pascal, parce qu'il n'arrive pas à être sérieux très longtemps. Mais voilà, dites tout ce que vous préférez par rapport au repas aussi, par rapport au quotidien. C'est encore le début des vlogs, donc n'hésitez pas, on essaiera toujours d'adapter et que vous voyez les choses vraiment qui vous plaisent. 17h, direction Grenoble. Et oui, le tournage pour le programme Homme, il a commencé. Donc Capucine, là, elle fait des recettes déjà à fond. Désolé les mecs, ce sera pas nous sur les recettes. Je pense qu'ils vont préférer. Et là, donc ce soir, on tourne par contre la vidéo conseil alimentation, conseil complément alimentaire. Et à partir de demain, un shooting dans le hangar. Donc bien sûr, c'est la course. Bien sûr, on va finir tard. Et ça va être dur. Arrivé chez Alex. Et alors? Dis bonjour. Bon, la plus contente, c'est Bonnie quand même. Jeff, il est un peu moins content. Donc Jeff qui réalise le programme Homme. Et bien sûr, la reine de la cuisine, Capucine. 8h20, fin de tournage. Jeff, il en a marre. Yeah, Froloco. On a commencé très tôt. Voilà. Donc là, on a terminé avec la vidéo complément alimentaire, qui sera bien sûr dans le groupe privé. Et Bonnie, elle nous a un peu fait chier. Elle a fait un peu du bruit, ouais. elle a mangé. Elle a mangé son os à côté. Un bébé. Oh. Un bébé triste. Bah alors? C'est sa tête. Elle est pas triste. T'as une tête triste. Ouais, c'est vrai, une tête un peu. Et tournage terminé, donc je repars de Grenoble, c'est 9h. On a fait les deux vidéos pour le programme. Le nom, ce sera Wolf. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Le programme Homme, donc ce sera le programme Wolf. Et voilà, on en a profité aussi pour régler 2-3 soucis sur Hadès, au niveau de la gestion des stocks, tout ça. Et donc là, retour à Lyon, petite heure de trajet avec du bon son. 10h, arrivé à l'appart. Et avant de se poser vraiment, je check un peu les messages. Je vous ai dit, le vlog 4, il est sorti.
Donc je vais aller répondre un peu à quelques commentaires, lire tout ça, voir ce que vous avez mis. Et je vous redis encore une fois, n'hésitez pas à mettre les commentaires, surtout à mettre un like. Il y a des commentaires qui font rire. Mercredi matin, 6h45, direction la salle, avant d'aller bien sûr tourner le programme Wolf. Mais voilà, forcément c'est un peu dur. Là, l'amitié de Pascal, elle s'arrête là. Vous imaginez bien, 6h45. Bon, il n'y a plus d'amis qui tiennent. Non, je plaisante, en plus, si vous voulez venir, c'est fou. Mais voilà, c'est parti, séance 3 du trade. Et j'allais partir et là Kev et Jimmy me disent c'est quoi les restocks des ensembles, et j'ai même pas vu, classe ou pas. Loulou, ça il fait du sale. Avant de partir au local, j'ai récupéré Mehdi, ça va Mehdi la forme? Ça va, cool. Pleine forme. Donc Mehdi vient carrément du Maroc pour le programme Wolf, c'est un ouf. Et première chose, quand il est arrivé il m'a dit putain il fait froid ici. Il faisait combien chez toi? Ben 10-12 degrés. Voilà, Casablanca, Lyon, moins 5. Bon courage, bienvenue en France. Arrivé pour le tournage avec tout le monde, tout est en place. Voilà, ça va tourner ici. C'est pas magnifique. Bon, il y a tous les mecs, je vous montrerai après tout ça. Bien sûr, il y a Yanis. Et moi, comme un gros mongol, ce matin, j'ai oublié mon ordi à la gare. Donc, j'ai dû repartir, le chercher. Je l'ai pas retrouvé, bien sûr. D'ailleurs, si quelqu'un l'a trouvé, n'hésitez pas à m'appeler. Et voilà, grosse déception de moi-même. Donc, c'est parfait pour attaquer la journée. Super heureux. Voilà, au top. Bon, on vient de finir un circuit. Je crois qu'ils sont pas bien. Yanis, il est parti en couille. Ça, gros, tu veux vomir? Pardon. Ils sont au bout de leur life. Je crois qu'il était dur celui-là. Bon, les gars, vous savez ce qui vous attend. Bon, en tout cas, j'espère que vous kiffez la déco du programme. Elle est stylée. Ça, Romain? Là, il y a un moment où il n'y a plus de respect de soi-même. Le mec, il a quatre pattes, il s'en bat les couilles. On va faire un tour comme ça, rapide. Donc, Alexis de Mâcon. C'est ça. C'est ça. Gaël Jacob, que vous retrouvez sur Insta. Jacob90, c'est ça? Tiré du bas 90. Ah, excuse-moi, tiré du bas 90. Adam, tu viens d'où, Adam? De Grenoble, comme Alex. Ok, comme Alex de Grenoble. Bon, Alex, vous connaissez. Romain, French Fit Connection, qui est sur YouTube aussi, de Mâcon. Mehdi. Le vrai, vous l'avez vu dans ma voiture, Casablanca, qui a du mal. Et Yanis. Je suis dans le mal. J'ai envie de bugger. Tu veux pas te faire un petit coup de pub là? J'ai pas la force. Yanis officiel. 10h moins le quart, tournage terminé. Bon, c'était forcément très long, intense. On range tout le matos et on repart parce que demain, pareil, grosse journée pour eux. Ça va être sale. Chez Pascal Zouz. Bon, je vais vous raconter toutes mes péripéties. Donc, hier, je me suis fait voler l'ordi. Enfin, voilà, bref, je suis en galère, j'ai plus d'ordi. Aujourd'hui, je me dis, bon, je dors pas bien déjà et tout, j'ai le seum, pas d'ordi et tout ça. On a fini tard hier. Je me suis dit, je vais aller quand même à la salle. Je me lève, 7h, je descends, je fais attention de bien fermer parce que je suis un poissard en ce moment. Bien fermer, bien avoir les clés, ce bâtard, il rigole. Bien avoir les clés de chez moi. Je descends, je mets des trucs dans le coffre, je pose les clés dans le coffre, je ferme le coffre, ça verrouille la voiture et j'ai toutes mes clés dessus. 7h du matin, dans la rue, tout seul, en clochard. J'ai tout filmé, hein. Je vais te passer les vidéos. Je crois que j'avais pleuré. Donc 7h du mat, j'appelle tout le monde, personne n'a les clés de chez moi. Je dis bon, j'appelle un serrurier. 6h et quelques. Ouais, 6h50, un truc comme ça. Même pas 7h, j'allais à la salle. Je voulais appeler la serrurier, mais j'ai une serrure qui est au top, donc c'est bien, on peut pas me cambrioler. D'ailleurs, si vous pensiez me cambrioler, c'est mort. Par contre, c'est impossible, le mec il va mettre 8 jours et je vais payer une blinde. Heureusement, au final, j'ai mes parents qui habitent à 1h30 de chez moi qui ont un jeu de clés. Sauf que voilà, c'est pas trop le moment, mais bon, ils vont pas tarder d'arriver, ils vont m'ouvrir, je vais pouvoir récupérer. Je me suis pas entraîné, je me suis pas lavé, du coup ce matin, j'ai une tête de fou.
Je suis chez Pascal qui m'a fait un bon petit déjeuner. J'ai plus d'ordi. Voilà, vie de merde. Merci, c'était un plaisir. Bâtard. Et en début de semaine aussi, bien sûr, Pascal m'a cassé cette caméra. Donc, c'est une semaine vraiment au top du... Bon voilà, mes parents m'ont sauvé la vie, ils m'ont amené des clés. J'ai pu rentrer chez moi, prendre une douche rapide. Donc pas d'entraînement du coup ce matin, vous avez compris. Et la direction Saint-Chamond, bon, forcément je suis un petit peu à la bourre, j'aurai 40 minutes de retard. Mais voilà, on a sauvé les meubles à peu près, on va dire. Donc merci à mes parents, dédicace. Deuxième jour de tournage. Oh, j'adore ce pull, il est magnifique ce pull. Beau gosse, eh, c'est Cityside. Bon, deuxième jour de tournage, Gal vient d'arriver, il est à la bourre. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est de ma faute si on est en retard. Et voilà, c'est parti, les mecs se chauffent, séance haut du corps. T'es chaud Alexis? Ouais, je trouve que ça va rentrer les cuisses. Mehdi à fond, t'as moins froid? Ouais. Les jambes, ça va les jambes? Ouais, sont lourdes, les jambes. Et Romain la machine, il est bien, French Fit Connection, allez checker la chaîne. Soyez nombreux. Comment? Sur ma chaîne. Chut. Comment? French. Ah là. French. Après un bon repas propre, ça va rattaquer, les mecs sont là, ils sont chauds. Prêt? Mettez-vous torse nu et on attaque. Les potos, ils ont plus envie là, deuxième jour. Moi j'ai jour. Pris des BCA, je suis pas sûr. Il a juste dit ça, il est venu là, il a dit un mot, vas-y. Harder, French Fit Connection. Bah alors, Romain, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression d'être dans Ninja Warrior, tu sais. Putain, cet enfoiré, il était à 4 pattes, il y arrivait plus. Tu voulais chambrer. Je m'en fous, c'est moi qui monte, je le mettrai pas. Bon, après les entraînements, dure journée, repas. Et Romain a fait une super blague, comme c'est la sortie du programme Wolf, il a dit on a une faim de loup. Ta-na-na-na. Bon app. Merci. T'as quelque chose à dire? Il met de près, il aime bien. Ouais. La mâchoire en... Yann, il a voulu refaire les jambes, du coup... demain matin. Ah, vendredi matin, 6h50, cette fois j'ai pas oublié les clés. Donc c'est bon, je suis dans la voiture, direction la salle. C'est parti. Cette fois j'étais en avance, je pense que j'aurais bien eu 5 minutes d'avance, sauf que j'avais oublié le drone. Aujourd'hui on fait quelques plans au drone, donc j'ai dû retourner le chercher et je vais avoir un délai légal de 30, 35, peut-être 40 minutes de retard. Mais bon, c'est pas de ma faute, c'est pas ma semaine là. Bon, tous les entraînements sont finis d'être tournés, même si qu'on a refait à cause de Yev quoi. Et là il ne reste plus que les explications à faire. Vous êtes chaud? Parce que Plégis trouvait pas très beau sur l'entraînement 5 coups, il m'a dit faut le refaire. On va faire exprès juste pour moi. Et là il nous reste les explications, toutes les photos, Jacopo il arrive. Mais bon, ça touche à sa fin, ça fait plaisir quand même. Bon voilà, tournage, il est presque fini. Et là c'est les photos, donc Jacopo il est arrivé. Avec, bon, vous avez vu un noir un peu, c'était Pascal bien sûr. On est là, un noir gros bide. Jacopo il est en train de faire les photos. Et oui, vous ne rêvez pas, ils sont bien huilés. Faites les beaux gosses un peu. Bonjour. 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 Allez les Chippendales huilés là. Ah, t'étais comme ça il y a pas longtemps, tu te moques d'eux là. Qu'est-ce que tu racontes? T'étais comme ça. Ça bon. Se dit pas ça. J'avais pas pensé que nous aussi on allait devoir faire des photos. Et il fait vraiment froid, c'est vraiment dur. Je t'emmerde Gaël. T'es en train de me chambrer. Allez, dernier shoot, on va terminer au drone. C'est vendredi 19h. Et après ça on a fini. C'est quoi ton Insta?
Jacobs-Dubas 90. Ah là, faut qu'il... Jacob, son objectif c'est 100 000 abonnés. Voilà, c'est ça, donc s'il vous plaît, faut donner fort, faut qu'il me... Mais d'accord, mais tu te demandes bien, s'il vous plaît. Et tournage terminé, oui, enfin. Voilà, t'as tout. T'es content, Babiche? Frenchfield Connection, abonnez-vous. Voilà, tournage terminé. Donc, bien sûr, c'est que les entraînements parce que demain, il reste toute la cuisine à faire, mais on s'en fout, c'est pas nous. Et là, ce soir. Bien sûr, et là, ce soir, grosse soirée. Resto, bowling, boîte de nuit, mais tout ça, ça reste confidentiel. Voilà, retour à la part, petite douche, et c'est reparti direction Saint-Etienne. Soirée avec tous les gars, resto, bowling. Et boîte, ça faire du bien de décompresser un peu et de se reposer. Et bien sûr, ça paie en Hadès. Samedi matin, et oui, ça fait du bien de récupérer un peu. Une grosse semaine qui s'est passée, donc tant mieux, tout s'est bien passé. À part, bien sûr, pour l'ordi. Donc là, ce matin, je récupère Pascal. Pour une fois, je suis plus à la bourre que lui, donc il va gueuler. Et je vais aller voir pour récupérer un ordi, parce que bon, sinon, je peux pas vous monter ce vlog. Et voilà, et après, entraînement, week-end, tranquille. Bon, grosse déception, j'ai pas pu prendre d'ordi. Donc, on va se consoler. À la salle des Spark. Donc séance 6 aujourd'hui, normalement je devrais faire la 5 mais je vais faire la 6 avec Pascal Zouz. Et je ferai la 5 demain matin. Bon, on va tout donner ce matin. Pour récupérer, donc là cette séance d'eau. Ouais, mode vénère, là je vais être très nerveuse. Et Julie, séance 3 du programme. T'es prête? Elle attaque avec les squats, donc elle s'échauffe et c'est parti. I be chucking and popping, motherfuckers, I ain't never stopping. I be rapping till you bitches done something. Kill a cold with a bow. Coming through a front though, I don't give a fuck about y'all. I be sipping, dipping, dripping, kill a Cali, motherfuckers, I ain't never tripping. I'm kingpin, motherfuckers, John, coming while I'm running. I be gunning at the same time, I be running on big zoo. Who's the next rapper that's ready to shoot? The absolute motherfucker gets hooked in the booth. I make sure I clear the problem on motherfucking roof. Pascal Le Français, eh oui, il est là. Ancien militaire, gros, on est là. Putain, il fait presque peur. Je crois qu'il y a quelqu'un derrière toi. Allez, cours, 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 ma coquine. Ouais. Ouh. Ça brûle de partout. Ça brûle même dans les yeux. Même dans les yeux, ça brûle. Le côté là, les hanches, les bornets. Ça part. Je comprends pas pourquoi on appelle ça poignée d'amour. Il y a rien d'amour dans ça. Il y a rien de sensuel. Il y a rien. Séance terminée, stretching, mais ça s'enjaille. On est là. Regarde ça. Grosse ambiance à Fitness Park. Surtout, ils dansent la même chose. Quoi? Vas-y, enchaîne-toi. Samedi soir, soirée bien sûr, Sylva et Pascal, les copines, pizza, c'est parti. Moi je vais arrêter le vlog aujourd'hui, je vous souhaite une bonne soirée, à très vite, ciao et gardez la pêche. Gardez la pêche.